Après avoir construit des cochons volants, des robots et divers véhicules meurtriers, Squeezie a acquis l'expérience nécessaire pour fabriquer l'ultime machine. Le projet Titan. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Oui, à politesse à mon tour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une seconde vidéo sur Bissiège. J'ai fait le véhicule dont tout le monde rêve. Capable d'accomplir tout. Par exemple, de s'agrandir. Ne fais pas cette blague, jeune délinquant sexuel. De casser des maisons. Putain, ça fait une heure et demie les gens que je prends pour un ingénieur à établir ce putain de véhicule. Il faut aussi option catapulte. Eh oui. Attends, quoi? Elle vient d'arrêter la boule? Attends, elle prend la grosse tête, la boule, là. Ah, il a kiffé ma blague, vous avez vu? Ou alors il a pas du tout aimé, elle s'est auto-détruite la maison. Allez, zone suivante. J'essaie de faire un véhicule capable de terminer ce jeu. Alors là, le but c'est d'aller juste au bout de l'allée, comme ceci. Il me semble qu'il y a des mines sur le chemin, donc on va lancer ça pour faire péter les mines. Ça ne servit à rien. Eh ben, on va y aller. Bon voilà, voici la faiblesse du véhicule, c'est-à-dire qu'il se déplace de manière plutôt lente. Attendez, on va passer par là, pousse-toi jeune arbre. On t'agresse nous, putain. On y va, virage serré à gauche. Oui, j'ai mis une heure à faire un créneau, et alors hein? Allez, on termine vite, voilà. Le projet Titan est capable de détruire une armée d'archers en moins d'une seconde. Ou de détruire un archer. Non, c'est bon, il est détruit, tout s'y prenne feu. Putain, j'avais peur. Putain, ma démo, des fois, elle est un peu moyenne quand même, hein. Il est capable de s'élever et de tirer pour toucher les maisons du fond. On y va. Oh non, on va prendre feu, je suis con. Voilà, l'homme nul, c'est moi. Voilà, bonjour. Je m'appelle Lucas Auchard. Déjà, ces roues-là ne bougent pas, donc il faut modifier ça tout de suite. Ce sera bien mieux, je pense. Ça tourne beaucoup mieux, vous voyez ou pas la différence? Non, c'est vraiment. Putain, je suis pas. Il y a de la passion dans ce que je dis, c'est incroyable. Vous m'avez jamais vu aussi passionné pour quelque chose, sans déconner. Collateral headshot. Oh, bitch! C'est ça mon vaisseau, c'est mon poulain putain. Il est né de mon cul. Oh oui, alors là, c'est là que vous allez voir l'efficacité du vaisseau. Ta 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 ta. Bra 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 bra. Tout le monde meurt, ça part en Macédoine. Waouh. Et voilà, on a gagné. Et c'est la danse de la victoire. Ah, alors ça c'est le truc chiant. Il faut prendre les boules et les mettre dans le cercle là-bas, souvenez-vous. Je vais me débarrasser de ça parce qu'à tout moment. Oh regardez, c'est beau le petit ricochet. Elle tombe et elle roule jusqu'à dans le cercle. Maman, c'est pour toi. On n'a plus qu'à aller prendre celle-là. Regardez, mais avec le bras articulé Nano 4-2-8. Hop là, on l'a pris, y'a aucun problème. Je devrais fabriquer des vaisseaux et les vendre, vraiment. L'armée US m'a contacté déjà. Après j'ai refusé parce que voilà, je pourrais devenir commercial de penser qu'à l'argent et tout, vraiment. Ça m'intéresse pas, hein. Moi je fais vraiment des vaisseaux par passion. Mais c'est nul ça, dis donc, mais regardez. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On fait ça? Allez, à bientôt. Le projet Titan est capable aussi d'envoyer des bombes. Alors c'est plus dangereux, il est vrai. Go! Achetez le projet Titan. Détruire 80% de tout ça. Non mais attends, mais ils nous prennent pour qui? Macédoine parti. Hop là, à bientôt. Hop là. Hop là. Hop là. Ça part carrément. Oh mais là, regardez. Regardez, avec un, deux doigts. Un et deux. Boss. Aujourd'hui on atteint quand même un certain niveau. On peut le dire, regardez-moi ça là. Hop là, ça dégage. Ah merde, mais du coup j'ai raté quand même, hein. Je pense qu'il faut faire ça. Non, non, ça s'appelle la touche de l'artifice, c'est mauvais. Ils me cassent ma bombe avant que je l'envoie en fait, avec leur putain de flèche. Regardez-moi ces petits bâtards là. Regardez, ces bombes, elles sont tellement sensibles que juste je clique sur play et voilà, ça pète. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop là, on va les taper avec nos canons, voilà. Et là, on fait quoi? On tire. Non! Attention, messieurs, dames. Blah! Oh, c'était beau! Tout en une fois. Et on a rien vu parce que j'étais en vue de côté, voilà, très bon caméraman, hein. Mais attends, mais c'est une épreuve de plus passée avec le projet Titan. Ça le valorise, c'est bien, comme ça sur le marché des vaisseaux, il va vraiment. Oh non, là, on va galérer. Faut prendre l'un de ces cubes de rondins de bois et les mettre dans le, voilà, dans le cercle finalement, hein, on y va bien sûr. Toujours tirer les canons, dans le doute. Mais non mais, c'est normal, c'est jetable, c'est comme les rasoirs. Et une fois qu'on l'a pris, qu'est-ce qu'on fait? On va le poser putain. Allez hop là, allez vas-y. Vas-y putain. Oh non. Oh oui. Oh putain, c'était tendu hein, il était vraiment comme ça. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tuer 80% de tous les moutons. Mais bien sûr. Si je puis me permettre, j'apporte une petite modification. Oh râlez pas. Si je rajoute quelques lance-flammes par-ci par-là, de manière à ce que vraiment ça fasse un vrai méchoui hein. Je sens que tout le vaisseau va craver, c'est sûr. Avouez que là il a une putain de belle gueule hein. On dirait une bataille navale à l'époque, vous savez, comme dans les bateaux, mais avec du feu, voilà, et sur terre. Donc ça n'a plus rien d'une bataille navale. Ah non non, mon vaisseau prend feu, non. C'était une idée de merde hein. On va rajouter un max de canons. Est-ce que vous êtes prêts les enfants? C'était nul. Regardez ce mouton quoi. Putain, le mec il a la lame. Regarde, je le tonds avec la lame. Il s'en bat les steaks quoi. Mais regardez-le, il est toujours là. Il a tout compris. Ah non, pas tellement. Regardez, lui il passe à travers les lames carrément. Regardez, il a un pic dans le cul, il s'en bat les steaks. Je suis scandalisé. Hein. Oh nickel, on fait un spectacle quoi. Accordéon, bonjour. Et là on fait surprise motherfucker. Mais non, mais mes canons font trop loin, ils ont trop de puissance. Tiens, on est bloqué sur un niveau avec des moutons quoi. En même temps, on fait une machine de guerre, on prévoit. On fait pas en sorte qu'ils soient créés pour diquer des moutons. Attendez, je vais faire la technique mauvais joueur. Ah, il nous en manque 3 là, 3 petits moutons.
Projet Titan toujours au top, hein, on l'a vu sans aucune difficulté. Oh putain, c'est quoi ça? Il faut passer à travers ça et ça. Attends, mais avec la maniabilité de mon véhicule, bon, attendez, on va voir. Dire qu'on a du mal pour un créneau, alors là, mon gars, c'est parti. Si quelqu'un y croit, qu'il lève la main tout de suite. Allez, on y croit, putain, on a le permis ou pas? Non, je peux pas, mec. C'est trop grand, regardez. Je pense qu'il faut faire un petit retour à la base pour passer cet endroit. Reconstruction de véhicule, c'est parti. Tada! Ceci est le véhicule le plus évolué de la planète. Et bon, bitch! Alors, voilà. Ah, ça, par contre, j'y avais pas pensé. Mais non, mais le truc, il se recule, regardez. On dirait un putain d'insecte sur le dos, quoi. Et si on y va comme ça, en frontal? Boom, bitch! Croyons-y! They see me rolling, they hating, control me, control. On va passer, mon gars! Oh mon dieu, on a fait le premier! Oh non, on a perdu une roue! C'est pas grave, toujours ne pas paniquer. Ne pas paniquer, putain! Attendez, parce qu'il fallait que je supprime quelques. J'ai tout supprimé, putain. Attendez, juste voir si mon. Ouais, c'est parce que je pensais que c'est bien nul à chier, quoi! Alors là, on peut y aller. Faut juste pas perdre une roue, putain. Mais c'est leur flèche, là! Oh oui, il y a une mine qui a pété! Et ils sont tous tués, oui! C'est comme gagner au loto, putain! Mais c'est pas mal! Oh là là, ils ont fait péter toutes les mines, mon dieu! On passe au milieu des explosions, Malcolm B, hashtag Malcolm B! On est passé au premier, on passe au deuxième, front flip! Waouh! Ouais, beatbox pour les nuls. Projet Titan, le revoilà! Hop! Nickel! On a un petit lance-flamme à l'avant, regardez, c'est parfait là! Putain, mais les mecs, ils s'en foutent quoi! Ils ont aucune pitié, c'est des guerriers! Ah, je vais faire ça pour les tuer, voilà, ça c'est une très bonne technique. Hop là! J'adore. Je trouve que c'est une certaine méthode anti-stress, quoi. Parce que oui, le projet Titan est aussi prévu pour... le mec insupportable. Zone suivante. Ah, nickel. Mais en fait, c'était dernier niveau, en fait. On a fini. Il crache parce qu'en fait, on a fini le jeu. Et il veut pas nous avouer qu'on a fini et qu'on est trop fort pour lui. Et moi, je fais du tout un gros ego. Et voilà, genre, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez surtout aimé le projet Titan. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo comme d'habitude. J'adore faire des petits jeux comme ça où on construit notre truc pour j'adore les jeux comme ça où on construit notre truc pour ensuite accomplir un objectif. C'est assez cool, j'ai réussi, merci. Merci d'avoir regardé. On se retrouve, j'ai un truc dans le. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace.